Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mario et Luigi. Désolé, je me suis trompé, j'ai appuyé sur ton bouton. Voilà, j'espère que tu m'en veux pas trop. C'est difficile de jouer avec toi. Et aujourd'hui, de ce qu'on va parler, c'est pas de lui, j'espère. C'est pas de lui non plus, j'espère. Ouais, bah, oh bon. Bien après ce terrible combat, magnifique torche de Mario. Tu veux quand même pas éteindre les bougies que j'ai fait? Bah, je pense que j'ai pas trop le choix en fait. Hein. Oh, oh, oh. Bon. Ça a pas marché ou... J'avoue. Ou tu t'es pas visé? Non, ça fonctionne pas, ou alors il faut être plus haut, je sais pas. Mais non, faut pas être plus haut. Non, non, ça marche non, pas. Non, c'est bloqué par le... Ah, désolé. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Incroyable, un point de sauvegarde. Encore des escaliers. On descend, on descend, on descend. Ah, mais voilà, faille. Ah, vous êtes les personnes les plus bornées que j'ai vues. Vous ne plairez jamais aux filles. Et pourtant, on a des petites amies. Non. Bon, ça sert à rien d'aller enfin, là. Enfin, tu dis ça pour Mario, mais pour Luigi... Oui, bon, il est vrai que Luigi... On est sûr de rien, on est sûr de rien. Mais c'est parce que Luigi, c'est un homme mystérieux. Il a une grande part de mystère au fond de lui. Tu ne sais pas s'il est petit ami avec Daisy ou non. Tu vois, il y a même des gens qui font des théories comme quoi il serait... NON! Wouha! Après tout ce qui vient de se passer... Je me demande qu'est-ce que je vais monter. Tu veux monter l'attaque? J'ai encore ma moustache. Ouh, je pensais pas qu'on pouvait monter mais encore l'attaque. Mais si, en fait, on peut. Je croyais que le maximum c'était 99. Mais je croyais que c'était 99, mais je me suis trompé. Tu regarde, j'étais 5 et tout. Oh, ah j'y ai cru en plus. J'y ai cru, juste cru. Quelle déception. Ouais, moi j'ai pas beaucoup d'attaque là. Mais vas-y, pourquoi moi j'ai jamais de l'attaque aussi? Pas besoin d'attaque, c'est moi le frère. Mais j'ai besoin, comme ça on tue les ennemis plus vite, tu vois, c'est stratégique, tu comprends? Mais Mario! Allez, vite! Bon, du coup, vu que le jeu n'a pas envie qu'on en parle, on parle pas, c'est pas censuré, mais c'est privé. Bon, il est temps de monter. Et hop! Est-ce que le Koopa essaye de nous taper? Oh, mais pourquoi? Vous êtes méchants, les ennemis, tout le temps! Quête pas! Oh, tant pis, hein. La flemme de. Je comprends plus les boutons! Changer avec Luigi, c'est trop long. Bon, du coup, il y avait d'autres trucs en bas, je pensais que c'était le bon chemin. Je voulais pas y aller. Mais non, il y a des ennemis partout! Oh non, en fait, il y a rien. Mais non, je veux pas appuyer sur ce truc, je m'en fiche. C'est pénible comme mini-jeu. C'est trop long. Bah, il faut retourner en arrière, fantastique, et puis lui, il m'attaque encore. Ah, mais attends. C'est pas ça qu'il faut faire, genre un truc avec de l'eau, là. Pour jeter sur... Sur la tornade? Oh, incroyable! Waouh! Mais Luigi, tu es un génie! Non, c'est l'inverse. Ah, mais non, c'est vrai, on n'a pas besoin de sauter en fait. Non, c'est beau! Oh, incroyable! Encore l'énigme du tonneau. Alors. Bah alors, t'appuies pas sur les boutons? Bah si, je prends l'ultra champi avant, tu vois. En tant que Mario, qu'est-ce qui est plus important qu'un ultra champi? Rien. Un champignon? Non! C'est comme un champignon, mais en version ultra. Mais ça donne pas beaucoup de MP. Super Street Champignon Ultra Mega Fighter 4. Tu as raté, on dit mushroom. Non, non, champignon. Bon, bien, ok, alors qu'est-ce que ça fait ce truc? Un passage fantastique. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça fait ce truc là? Pourquoi faut-il se balader avec un tonneau? Bon. Bah d'accord. Il reste pas longtemps en fait. Il faut y aller avec Luigi. Mais non, il faut courir, tu sais. Oui, avec Mario, je me suis trompé. Vas-y, cours. Bon, ok. Ah, désolé. J'ai fait perdre du temps. Bah, pas qu'un peu. Oh, regarde, on va boire le thé. Bienvenue.
Personne d'autre que vous n'est monté jusqu'ici. Vous avez du talent, je veux vous récompenser pour cet exploit. Ne restez pas debout, asseyez-vous, je vous en prie. Oh ! En plus, on boit du thé avec. Aujourd'hui, j'ai mes amis qui sont venus ici. Quelle fille voulez-vous appeler ? Ah, vous êtes connaisseur. Ufulina, vous êtes demandé. Oh ! Je suis Ufulina. Avez-vous terminé votre journée ? Alors détendez-vous. Faites un beau travail pour ces messieurs. Il est l'heure de tuer Fulina. Je fais quoi? Une attaque frère dessus peut-être? Mais oui, tu tues Fulina, elle mérite la mort. Ah, pourquoi? Touche pas une femme si elle ne le veut pas. Ah! Quoi? Waouh. Mais il faut la tuer parce que sinon tu peux. Si tu tues l'autre, ça la tue pas en fait. Ah zut, j'ai raté. Regarde comment Luigi il savait ce que faisait ce truc, moi non, je m'en souvenais pas. Non mais oh, va chercher ta cuillère. Pas si nul, crétin. Regardez, Ufulina, elle arrive. Je veux te faire un câlin. Non. Wouah, t'es sûr que ça va aller, brother? Je sais pas. Non, faire ça ne attaque. Va pas aller, t'arrêtes pas de me frapper. Ah mince, c'est vrai que j'avais ça aussi, je pouvais faire. Ah, ah bravo, un de dégâts. Ah, ce moustachu, je crois que je lui plais. Non! Tu feras l'affaire. Tu veux manger des noisettes? On va l'électrocuter. Ça, c'est le moment où je sers à rien, c'est ça? Bon bah. C'est pas de ma faute, hein? Oui, non, c'est de ma faute. Moi qui suis pas doué aux jeux vidéo, tu comprends? Mais pourquoi? J'ai pas le temps de réaction! Attention, Mario! Bah non! Pourquoi c'est Luigi? Oh, c'était magnifique, Luigi! Tu veux un super champi ou un champi one-up? Ouais, super champi, c'est bon le super champi. Allez pour mon frère, adoré. Arrête de me donner des coups de cuillère! En fait, si ça se trouve, c'est elle qu'il faut tuer en première, en fait, je sais plus. Bah, de toute façon, il est plus là. Non, je sais pas faire le marteau. Bon, je voulais faire l'électricité de la mort. Voilà, comme ça, elle a moins de défense. Oh, elle a perdu son maquillage. Attention, Mario! Oh non, t'es empoisonné, Mario! Mais non, mais j'ai appuyé sur B! Alors. On va la basculer. Mais j'ai appuyé! Mario le vampire. Adieu. Oh non. Oh non, Luigi! Oh, t'es pas mort, t'es trop fort. Bah oui, c'est Luigi en même temps. Voilà. Avec mes 5 HP, je vais tenir tout le reste du combat, tu vas voir. Youpi! Sur la fin, un clin d'œil, elle va t'attaquer toi, Mario. Toi, le seul qui arrive à esquiver cette attaque, incroyable. Sûr que tu veux pas manger un truc? Non, jamais. Mais pourquoi les deuxièmes coups, j'y arrive pas? Que faites-vous à mon ami? Comment osez-vous? Brut, vous êtes nul, je vous déteste. Oui, c'était elle qu'il fallait tuer en première, en fait. Qu'on a gagné moins d'expérience! Ah, aujourd'hui c'est fini, c'est fermé! Impossible! Impossibulu! Et pourtant nous l'avons fait. Luigi, ne t'approche pas trop, sinon je vais te brûler les moustaches. Oh, ok, Mario. Comme on dit chez nous, la moustache. Enfin, vous êtes là! Alors remettez-nous tous les suite les morceaux végétales. Toile. Posez-les sur la table. Ok. Oui, fais passer le grand Luigi. Vas-y Luigi, pose-les sur la table. Alors pose ici le morceau de végétoile.
Mais j'ai plus que 5 HP, t'abuses. Ça m'a deviné votre intention, ceux-ci sont des faux. Alors donne-moi les vrais. Quoi, tu crois qu'on le garde dans notre valise? Mais oui, en plus. Mais je croyais qu'on les avait laissés dans le château. Ah non, Luigi et Mario, ils sont pas si intelligents que ça, en fait. Ah, idiot. Ah bah là, je confirme. Je prends ta valise, Luigi. Comment on va sauvegarder si on a plus de valise? Et pas un peu quand même. Ah, c'est difficile d'appuyer sur les boutons. Voilà, on libère Mario. Regarde, Mario, il court. Est-ce que Luigi, est-ce que tu penses que Luigi va pleurer? Non, ça va, il est cool, Luigi. Heureusement, nous avons une robe de princesse. Heureusement, Mario a trouvé la robe de la princesse. Fantastique, n'est-ce pas? Bon, on continue notre aventure, Mario. Ok. Il faut pas me sauter dessus. Ok. Maîtresse Gargamona, j'ai obtenu les morceaux de végétoile. Bravo, apporte les faux morceaux de végétoile, c'est un coup facile à deviner. Apportez les... Mario! Quoi, tu veux quelque chose? Ou bien vous ta défaite? Non! Quoi, tu me demandes de te rendre la princesse Peach? Je ne rendrai jamais la princesse Peach, il y a une bande de menteurs qui ont voulu nous remettre des faux. Vous récolterez ce que vous avez semé. Quelque chose ne va pas. La princesse Peach, ça veut dire quoi? Princesse Peach que vous avez kidnappée est un sosie. Prévoyant cela, j'ai préparé un sosie. Vous êtes tombé dans le piège. Greux. Mario, on s'en va vite. Attendez. Ah. Non, Mario. Je prends la princesse Peach à tout prix. Oh, la pauvre princesse. Non. Au secours. Ah, ah, quel talent. Ah mais quel talent, j'avoue que là, le help me... Ah, il était beau, ah, il était beau. Hé, hey, princesse! Je sais que vous êtes la vraie. Mario, merci. Je savais que vous me sauveriez. Oh. Let's bake a cake for Mario. Oh, purée, ça fait trop près. J'ai les morceaux de végétoile et la princesse Peach. Je suis étonné du sosie de la princesse Peach. Vous êtes malin, Princesse Peach, vous avez aussi des idées malicieuses. Au fait, pourquoi Princesse Peach? Vous fermez la bouche. Cachez-vous quelque chose? Non. Oh, un cafard derrière vous. Krakowitz, l'avez-vous vu? Oui, sûrement. Krakowitz, oui. Vas-y. Oh, regarde comment Luigi il est doué. Il imite très bien la voix de la princesse Peach. Oh, tu imites très bien la voix de la princesse Peach. Bon, eh bien c'est la fin de la vidéo. Au revoir, merci, à bientôt pour une prochaine partie de Mario Luigi. Au revoir tout le monde.